Coucou, c'est Enami et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Bonne année à toutes et à tous. Si en France, la tradition veut qu'on se souhaite une bonne année sous le gui pour que ça porte bonheur, eh bien dans d'autres pays, la tradition est plutôt insolite et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais tout ça après le générique. Commençons par un pays que j'aime énormément, c'est la Turquie. Eh bien, en Turquie, au 12e coup de minuit, on ouvre tous les robinets de la maison pour que le bonheur et la chance coulent à flot. Mais je pense que ça va surtout apporter une facture d'eau bien salée. En Espagne, il existe la tradition des 12 grains de raisin, où vous devez, à chaque coup de minuit, avaler un grain de raisin. Et si vous vous étouffez pas et que vous restez en vie, eh bien le bonheur sera au rendez-vous. Au Danemark, la coutume c'est de casser des assiettes sur la porte d'entrée de nos amis parce que apparemment ça porte chance et plus il y a d'assiettes, plus vous aurez de la chance durant la nouvelle année. Mais personnellement, j'aimerais pas avoir plein d'assiettes devant ma porte le matin du nouvel an. Au Canada, la coutume veut qu'on plonge dans de l'eau glacée lors des 12 coups de minuit pour s'assurer une santé de fer et s'endurcir. Mais perso, je pense que ça servira surtout à tomber malade. Quand j'ai vu cette tradition, je l'ai trouvée hyper drôle. Au Mexique, s'ils veulent voyager durant la nouvelle année, eh bien, ils doivent faire le tour de leur pâté de maison avec une valise vide dans une main et une liasse de billets dans l'autre pour que ça leur porte bonheur. Et je trouve que ça doit être hyper drôle à voir. En Afrique du Sud, eh bien, la coutume veut que lors des 12 coups de minuit, les gens jettent leurs vieux meubles et leurs vieux appareils électroménagers par la fenêtre. Et c'est normal chez eux, mais en tout cas, ça doit être un vrai carnage le matin du nouvel an. De ce que j'ai pu comprendre de cette tradition, c'est qu'en Irlande, on croit vraiment aux esprits. Parce que le 31 décembre à minuit, eh bien, ils tapent toutes les portes et les murs de leur maison avec du pain pour chasser les esprits maléfiques et s'assurer une nouvelle année sereine. J'ai laissé le meilleur pour la fin, c'est une des traditions qui m'a le plus surprise. Et ça se passe au Pérou. Apparemment, la tradition veut qu'avant minuit, eh bien, tous ceux qui ont des problèmes, les règles, avec un bon corps à corps. Bon, ça permet de débuter la nouvelle année sur de bonnes bases, mais surtout avec quelques bleus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que vous en avez plus appris sur les diverses traditions autour du monde. Pour le nouvel an, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et activer la petite clochette pour être prévenu de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous fêtez votre nouvel an. Et moi à présent, je vous donne rendez-vous tous les samedis à 11h. Soyez au rendez-vous.